Petit peu crémeux comme ça. Alors juste le pain, un tout petit peu plus mou. J'ai un panini. J'avais une plaque chauffante, dessus je mettais une poêle, des gnocchis, tu sais à la raclette. Des gnocchis. Des gnocchis là. Des gnocchis. Des knackis. Non, les gnocchis. Ah, des gnocchis. Des gnocchis. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi, j'ai pas encore mangé de vige. Non. T'as pas encore mangé, et en plus de ça, lui, c'est à peine une journée de travail, donc je pense qu'il a très très faim. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire les frérots. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons dévaliser la carte des panini du partenaire Bonap. Un grand merci au partenaire Bonap, 10 avenue de l'Europe à l'Axou les frérots, qui nous a encore une fois, khalas, ce qu'il faut pour me permettre de réaliser cette petite vidéo sympatoche dégustation en compagnie d'Eric. Nous avons ici devant nous 6 magnifiques petits paninis et dans ces paninis, il y a un panini aux 3 fromages. Donc je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Un panini au poulet, c'est celui-là. Un panini au saumon, c'est celui-là, c'est celui-là, pardon. Un panini au jambon, c'est celui-là. Un panini au steak, c'est celui-là. Et un panini pour le dessert au Nutella. Si cette vidéo vous plaît, bombardez-moi la barre de like, d'abonnement et de code Kenny dans la boutique Fortnite et Rocket League. Oh. Je compte sur vous les frérots pour venir en balle le jour de la 1000ème vidéo. Ah non, ce sera une diffusion en première. Activez la cloche des notifications, c'est très important. On va kiffer. Et je vais vous dire une vidéo de fou où je vais parler de mon poids, de mes origines, de tout. Vous allez tout savoir et il y a du très très lourd qui arrive. C'est la merde. Edwige, on commence mon ref? Vas-y. Alors je te propose de commencer par le fromage. Tiens. Je n'ai pas mangé à midi. Emmental. Chèvre. Chèvre. Non, non, chèvre, emmental et bleu. Ça veut dire que je suis un daron. Ouais. Je mange du bleu. Ouais, daron bleu. Non. Si, moi je trouve ça plus trop le. Kylian Mbappé. On mange les bleus. Allez signaler. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est petit. Ouais. Pas cher. Ouais. Ça se mange chaud et froid. Ouais. À chaque coupe la fin. Ouais. Tu sais. Ouais. Entre chaque panini, mon petit Lee, je te propose de taper une petite goulaille. Voilà. Ensuite. On part sur le... Ah, c'est le saumon, ça. Le saumon, on le garde pour après. On part sur le... Oh, le poulet mariné. Wow. Alors, il y a de la violence. Alors là, il y a de la viande, là. Petit peu crémeux, comme ça. Alors, juste le pain, un tout petit peu plus mou. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je vais pas faire... quoi? Je vais faire comme ça, moi. C'est un panini. Mais je te demande que... Non, un panini, c'est censé être croustillant. C'est comme si tu me dis juste une salade. Un petit peu plus molle. Ouais. C'est croquant une salade, frère. Ouais, avec des noix de cajou. Mais bon, wesh. La salade de noix de cajou, tu sais qu'elle est bonne. Ouais, c'est trop bon, wesh. C'est celui au poulet, il est incroyable. Eh les gars, commandez tous les trucs d'un restaurant, c'est lourd de fou. Et je pense que c'est même une série qu'on va faire sur la chaîne YouTube. On va commander tous les burgers, tous les sandwichs, tous les Tex-Mex, tous les panini, toutes les pizzas. On va les dévaliser, Bonap. Mais bien entendu, si vous habitez sur Nancy et aux alentours, foncez les gars. Ouais. Ils sont trop bons, ça, mais. Ils sont trop bons. Mais en plus de ça, ils sont trop gentils. Et enfin bref, voilà quoi. C'est halal, pour ceux qui pensent aussi, que ouais. C'est pas halal. Bah là, ils ont fait du jambon. Bah là, c'est du jambon de cochon, on a fait exprès, justement. Bah oui. En vidéo. Un musulman goûte du porc pour la première fois. J'allais faire une blague là. Ensuite, je propose d'attaquer le jambon. Et je pense que ça va faire beaucoup hein. Voilà. Si panini à deux frère, ça pète hein. Ça pète. À quoi? Jambon, crème, fromage. Jambon de dinde bien évidemment. Blanc de dinde, je connais. Ouais, ça cale hein. J'avoue. Il en reste 3, wesh. Là, je viens d'être petit, je viens d'être calé, là, par contre. Hein. J'ai pris une bouchée, sa mère. Ils sont petits, mais... Sa mère, je vais m'allonger après, frère. Il y a un problème, là. Tu sais que mon ventre, il prend pas autant, là.
n'a pas fait de vidéo, rien avant. Genre, c'est la première qu'on fait de la journée. Hein. Pas moi. Ah, moi, du coup. Mais et c'est la première fois que je mange de la journée aussi. Hein. Genre, c'est limite, j'aurais attendu une heure de plus, là, j'aurais jeûné. Hein. J'aurais fait une journée de jeûne. Toi, bah, t'as bu. T'as bu, t'as fumé, t'as ken et tout, on ne se pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, non, le gros terre, là, que j'ai fumé à l'île. Là, je suis un italien. Oh, j'arrive même pas à le décoller tellement il a l'air lourd. Ne décolle pas. On tape sur le steak. Attends, c'est à quoi ça? Saumon. Parce qu'en fait, j'ai peur que le steak il soit trop sec. Non. Ça me dégoûte. Non, non, oh, non, c'est bien moelleux, bien. Oh. Tiens. Ouais, je suis content. Hein. Je coupe des. Ah, ça va. Non, ça va. Oh, le tartare. Mmh. Mmh. Un collègue à moi tout à l'heure, il est parti à Auge. Non. Ouais, je mangeais juste ça. Tiens, tiens, comme ça, je... Mon collègue à moi, il est parti à Lidl tout à l'heure. On est en vidéo. Il a acheté le frigo. On est en vidéo, moi. Ouais. Ok. Il a acheté du frigo. Oh! Toi aussi, t'en as bu, non? Waouh. Oh! T'as chaud? Ouais, là, j'ai chaud, là. Mais j'avoue, ça tient chaud. Et par contre, là, je me... ça m'a... Waouh, je me sentais mal. Oh, ça va, là. Tu sais que je sais pas pourquoi. Mais t'as de plus en plus de commentaires haineux. Ouais. On fera une vidéo sur ça où je vais taper. Edwige, il s'en bat les couilles. Edwige, voilà la gueule qu'il a, voilà comment il a grossi et tout. Malheureux. Je te jure, il juge de fou les gars. Malheureux, le problème, frère. C'est pas vous qui allez être là plus tard. T'as voulu dire quoi là? Ouais, c'est des haineux, c'est tout. Si je bouffais tous les burgers, ça va être chaud, wesh. Bien sûr. Ah, mais tu sais pourquoi il dit j'ai une gueule bizarre? Les contours. Ah ouais. De toute façon, pire, je suis même pas là pour leur plaire, wesh. Que Lucie, elle t'avait fait. Oui, Lucie. Lucette. Lucie. Bernadette 5 ans. Oh, j'allais faire tomber la crème. Oh, j'ai fait un gros silencieux, j'ai jamais vu ça. On tape le saumon, mon ref. J'avoue que c'est du sport. Panini, frère. Mmh. Mmh. Franchement, j'avoue que le saumon il est bon. Non. Mmh. Mais il est pas plus cher, c'est du saumon. Non. Ok. Je pensais que. Ils sont tous au même prix. Ok. C'est parce que des fois, il y en a qui font. Mais bon, on va faire une vidéo comme ça, non? Où je réponds aux haters. Ouais. Demain. Vas-y. T'es chaud, Edwige? Je suis sûr, je vais voir des vieux commentaires. Tu sais, moi, ça m'atteint pas, genre. Tu me dis, vas-y, frère. Le gars, je verrai jamais dans ma vie. Non. Toujours, le gars, je vais jamais le voir dans ma vie, frère. Bon, là, qu'est-ce que t'as à dire Au pire, le jour, il va me voir. Faire une photo, il dit. Bah non. Genre, là, qu'est-ce que t'as à dire à celui qui est gros? Bah, hein, celui qui a dit que t'étais gros. C'est bien, frère. Chouette, ta famille soit grosse aussi, frère. Qu'est-ce que t'as à dire à celui qui a dit t'as une tête de merde? Je peux pas te plaire. Quoi? J'ai pas à lui plaire, genre. T'as bégayé, t'as niqué ton truc, gros. Vas-y, on recommence. Qu'est-ce que t'as à dire à celui qui dit que t'as une tête de... J'ai pas à lui plaire. C'est bon, bah je peux en bouffer 6. Ah, 7. Ouais. Il tombe dans le mauvais trou. Genre là, il va dans mes poumons. Mange, Edwige. Sadaka, frère, c'est du pain, il faut pas le jeter, gros. Il faudrait faire un mélange de tout. Arrête de me donner des idées de vidéos, je vais bientôt prendre le sport. D'ailleurs, tu vas m'accompagner ou pas? Non. Non, je le savais. Comme le gars qui l'a dit un commentaire, hein. Je suis clairement là par profil. Ah, je m'en merde pas. Non, je sais pas. Parce que si on dit que j'ai une tête de merde, déjà, juste par rapport à ça. Par profil. Mais je me bouffe là, c'est lui, il l'a payé, frère. Ah, d'ailleurs, je te dois combien? Par après la vidéo. Oh, par contre, t'as payé une brioche, sale bâtard, elle doit coûter 90 centimes. Non, 1,55€. Oh non, la connasse de caissière, elle m'a pas rendu la monnaie, frère. Jure? Je vais aller la planter. La connasse de caissière. Je vais envoyer un message à Lidl sur Twitter. Ils vont voir qui je suis plus. Oh, Edwige, là on tape du Nutella. Là, la bouffe. Ah, là, la tienne, Edwige. Mmh. Oh, on fait du chocolat fondu, genre. Ça me fait penser à des desserts que je me suis déjà fait, genre. T'as pas vraiment envie de mettre la clim, hein. Déjà, le temps, d'ailleurs, il fait 27 degrés quand je rentre dans ma voiture, c'est un four. Il fait 27, là? Au moins, hein. D'ailleurs, il fait marche chaud. 25 degrés. Putain. Alors qu'il est 22h, wesh. 21h. Ah. Mais quoi, putain, j'ai du goût aussi, ça. Même. Ouais. J'ai du goût aussi, quand même. Mais je m'en fous, je vais me dire.
Et c'est pas grâce à moi en plus que je suis avec vous. Non. Alors là, clairement, parce que depuis qu'il apparaît, tu parles à une meuf. Je suis resté 8 mois à Nîmes. Il fallait pas se jaser. Hein. En hiver là-bas, tu sais, j'ai fait quoi? Qui avec la meuf? Non, avec la nourriture. Regarde, parce que moi c'était comme la prison là-bas, genre. J'avais une plaque chauffante, dessus je mettais une poêle, des knokis, tu sais, à la raclette. Des knokis. Des knokis là. Des knokis. Des knakis. Non, les knokis. Ah, des gnocchis. Des gnocchis. À la raclette, tu sais, extra raclette là. Ça me fait penser à mon TikTok. Des gnocchis. Oh, avec l'intérieur de raclette. Ouais, oh, je mettais ça. Attends, je mets ça. Mais elles sont chères eux. Eh, tu te faisais du lait, ça, le bâtard. Et du coup, je prenais des lardons, je mettais de ça dessus, ça chauffe. Et après. Mais les lardons, il faut les mettre avant par contre. Non, non. Et après, tu sais, je fais quoi? Elle est trop cool. Pour que ça chauffe encore mieux, des tranchettes de raclette. Gros, c'était incroyable. En plus, avec le gras du lardon. Infernal. On fera des dégustations de la hesse d'il y a longtemps. T'es chaud? Moi, en vrai, gros, je suis grave chaud parce que j'en ai beaucoup. Hein. Genre le pain yaourt. Le pain yaourt nature, gros, c'est vraiment bon. Ah! Je te jure, y'a pas le choix! Du pain rassis! Du pain rassis, du train de l'enfant, y'a, c'est trop bon! Ça se voit, t'as galéré toute ta vie, t'es un bâtard, voilà! Y'a quoi d'autre aussi? Pain yaourt, imagine ce bâtard! Toi, tu prends yaourt nature, là, tu sais, les premiers prix, là, tu vois, y'a le liquide bizarre au-dessus! Ouais, ouais, tu bois le liquide, parce que t'as pas d'eau, frère! C'est du conservateur, gros! T'inquiète, on se conserve! C'est normal, t'as une tête de fou! Ah, ouais, il y a plein de plats comme ça. Edwige, j'espère que t'as bien mangé, mon petit Edwige. Tu vois, juste après, on va bouffer une brioche de 1 kg chacun. Oh, ouais, c'est vrai. Ça me dégoûte. Oh putain. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné faim. Moi, personnellement, mon préféré, c'était celui au poulet. Saumon. Ah ouais, ouais. Bon, voilà les gars, dites-moi du coup vous en commentaire quel est votre tiramisu. Enfin votre tiramisu, panini. Votre panini préféré les refs. J'avoue, pourquoi n'importe quel tiramisu, wesh. J'avoue. On va faire une dégustation, on bouffe tous les tiramisu du monde. Vas-y, je vais aller en chercher un. Fais des gros bisous, bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Edwige et Kenny. Ciao.